Ok, bonsoir, ma chip. Alors, est-ce que ça grésille ou c'est bon? Ok, bon bah super, si c'est parfait, on va pouvoir continuer. Parfait, parfait, parfait. Ça marche. Bon, pour un petit récap, on recommence. Donc là, je suis niveau 20 d'aventure. On va continuer l'acte 3. Donc l'acte 3, chanson du dragon et de la liberté, voilà. Et dès que je peux, je veux commencer l'événement. Donc, où est-ce que je le trouve cet événement? Je crois que c'est... Non, ça c'est un truc que j'ai débloqué tout à l'heure. C'est là. Donc là, c'est ballon piaf tatrac. Voilà, il faut que je termine Chanson du Dragon pour pouvoir commencer cet événement. Et d'ailleurs, pas mal d'événements également, comme celui-ci. Bon, celui-là, ça va être un peu compliqué, il reste que 8 heures d'événements. Donc, alors, quoi de beau? Beaucoup de choses. C'était un petit peu la merde pendant ces 2 semaines. Je suis allée au travail. J'ai travaillé, mais entre deux, j'ai eu ma voiture en panne. Un peu compliqué. Du coup, où est mon événement? Clac, suivre. Raconte. Tu veux tout savoir, toi, hein? En fait, j'étais sur une grande nationale et du coup, la voiture, elle a arrêté d'accélérer. J'ai pas compris. Enfin bref, et je me suis retrouvée en panne au bord de la nationale. Nationale. Non, je crois que c'était une deux voies. Enfin bref, tant que le dépanneur, etc. C'était un peu chiant. Du coup, vu que je suis assurée au tiers, j'avais pas de voiture de remplacement, donc il a fallu que je prenne une location pour aller au travail. Puis quand t'es à 600 km de chez toi, c'est pas pareil, hein. Puis après, bon, tout un problème avec l'assurance, le dépanneur, etc. Bon, je vous épargne les détails, quoi. The Abyss Order, enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. Ouais, c'était une grosse galère. Et là, la voiture, elle est toujours au garage. Voilà. Ouais, moi, je suis chez moi. Je suis revenu. Je suis revenu. Sans la voiture. Oui. La voiture. Voilà, ça va, l'assurance elle a pris en charge mon retour quand même, hein, donc il y a au moins ça de bon. Et en plus j'avais une 3008, dernière génération, automatique. Alors ça c'est le confort tip top. Surtout pour 600 km, ça franchement, génial. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? You really are well connected, Master Diluc. Bah et toi ma chip, quoi de beau? Come to think of it, Mr. Big Animal God Barbados, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. Each Archon presides over their own part of Teyvat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados's wish for Mondstadt. T'as raison, faut avancer sur les projets. Avancer dans la vie. Jean, et dans you're le jeu. Such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the Seven. Aw, you flatter me. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery.
I cannot stress enough how important it is to not let it escape. Allez, c'est parti. Début de la quête, chanson du dragon et de la liberté. J'avais envie de chanter du Dora là. J'allais dire, allons-y, let's go. C'est parti les amis. Enfin bref, un petit délire. Ah oui, c'est pas loin. Tu fais peur, hein. Quoi, je chante si mal que ça? C'est pas gentil. Alors, vainquer les ennemis en approche. Oh, ça va être chiant. Allez. Ah, il y a un petit... Je vais l'accompagner jusqu'à chez lui. Et après, je commence. Non, laissez-moi être tranquille. Ouais. Déjà, faut que je me débarrasse d'eux en plus, alors... pouvoir être tranquille pour le... Ah, mais il y en a plein, en fait. On va prendre la feu. I'll race you there. Ça va être plus simple. Wow. Oh, c'est dingue. J'étais ambulé. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. You're in for a little shock. Come a little closer. Come a little closer. Ah, me suis. Ah. You're in for a little shock. Comme c'est de l'eau, je me dis avec l'électrocution et tout. Ils vont prendre cher, non? Come a little closer. C'est long, hein? Ah, mais je crois qu'elle est niveau 20, elle. Come a little closer. Aïe, 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 aïe. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Come a little closer. Surrender and be gentle. Allez! You're in for a little shock. Retourne dans le cercle. Dodge this. This man will be frozen in time. Voilà. Freeze. Mais il t'est mouillé. C'est de la gelée, donc ça c'est top. Dodge this. Dégelé encore. Ah mais il récupère sa vie l'enfoiré. Freeze. Voilà. Un mort. Voilà. Donc lui, eux... Huh? What's this? Ah mais c'était ça, mon épreuve. Ah oh, bah d'accord, ok. Je croyais qu'il fallait que je lance le défi, mais pas du tout. After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and D'Valin. Huh. Do you know of Storm Terror's lair? But Jane and Master Diluc are no doubt aware of it. After D'Valin woke up, he took the ancient ruins as his lair. As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven.
I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls, but it should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. Which means we're going to confront D'Valin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, it is my responsibility to alter our course of action. If slaying him is our only choice, I will gladly become the knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need to go that far. By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Traveler, of course. Je suis la botte secrète. D'après Venti. The Traveler? Correct. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds D'Valin belong to the same maleficent power. Which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? You've seen what D'Valin is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she even gets to lift a finger. Hey. Nice plan. Worth a shot. I am with you, Honorary Knight. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. Let's go. Pardon, j'ai éternué. And so, epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. Okay. Donc là-bas, il y a une épreuve. Par ici, il y avait un coffre. Ah, il y a un autre coffre ici. How fortunate. Parce que là, l'épreuve, ça va être quoi? Telle est la question. Ah non, c'est un point... N'importe quoi, moi. Je croyais que c'était une épreuve, mais non, c'est le point de téléportation. Une épreuve, en fait, c'est une sorte d'épée rouge, en général. J'ai pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Herbe à lampe. Je sais pas si j'en ai déjà vu ou pas. Oh, lui il est en haut. Et lui... Il est par là-bas. Ah bah là je vois. Petite souris. Pourquoi la petite souris? Ah oui, j'ai appris qu'on pouvait pêcher aussi. À main nue. Mon objectif de ce soir, bah, continuer dans l'acte 3. Essayer de le finir, ce serait top. Même si, bon, ça va être quand même long. Donc, à mon avis, je le finirai pas ce soir, mais peut-être demain soir. Oui, oui, j'ai éternué telle une petite souris. C'est vrai. Quite the fine. Ok, allez, c'est parti, on continue l'acte. Il faut que j'aille où? Ah oui, c'est là-bas, donc on va se téléporter ici pour aller plus vite. Et puis, bah on y va. Ah, c'est sous terre. Pourquoi je... Il doit y avoir une falaise un petit peu plus loin. Ah oui. Exact. Il n'y a pas de coffre à proximité, non. Ah ouais, mais c'est quoi ce vent là? Je vais mourir. Ha. Oh merde. Je croyais que c'était pas si haut que ça, je suis mort. N'importe quoi. Attends, faut que je le fasse revivre parce que sinon... Si j'ai un combat, je suis dans le caca. Ouais, l'œuf ça fait revivre, ok. Après,
Faut que je lui donne une bonne grosse nourriture. Oh, j'en ai 43 de ça. Les nouilles sautées. Ah, c'est tout. Ça donne pas grand-chose, hein, en fait. Oh, lui, il est gavé, je peux plus lui donner de bouffe. Tac, utiliser. Elle, on va mettre ça, et elle, on va mettre ça. Voilà, normalement, ça devrait être pas mal. Et il y a un Anemoculus pas loin, parce qu'il y a la petite étoile sur la map. Ah, je pense savoir où est-ce qu'il est. Ah, bah, il est là. Et du coup, mon objectif, c'est où exactement? Ah, en bas. Eh ben, voilà, on récupère l'Anemoculus. Tiens, hop, il y a un coffre. On va récupérer en même temps. On fait attention de ne pas les tuer, parce que si je tue encore un autre perso, ça risque d'être compliqué. Ok, donc je laisse encore un peu plus bas. Ouais, y a des méchants qui arrivent en plus. Ça va être chiant. Ok, c'est là. It's a storm barrier. It looks so dangerous. Leave it to me. Although this wooden lyre is all I have. I don't need the lyre to break through this kind of storm barrier. Oh, ben voilà. Enemy attack. Prepare yourselves! The stage will need to be cleared before I can begin my performance. Generally speaking, such chores are not the concerns of the performer himself. Wait, what's going on? There shouldn't be any hilly troll camps in the vicinity of Storm Terror's lair. Closer. Come a little closer. Get here. You're in for dodge this. Oh. Oh mince, il m'a suivi. Par contre, toi, tu as mis. Ah, ça m'attire. J'en ai un sorcier là-bas. Ok. Trolls usually do not venture into areas with high elemental concentrations. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plans. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. You're not entirely useless, Tone Deaf Bard.
Tu n'es pas tout à fait inutile. Allez, pas mal celle-là. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. Let's move. J'ai rien à récupérer là? Ah non, bon, ça m'a rien laissé. Pourtant, ça avait déposé des petits objets là, les ennemis. Je regarde en même temps parce que des fois je loupe des choses. C'est un peu bête. Là, un petit renfoncement là. Non, y'a rien. Ah! Donc là, il faut que j'aille activer le petit point de localisation. Comme ça, je pourrais me transporter directement ici. Ça va être pas mal. Hop! Si je meurs, au moins, j'ai de quoi revenir. Oh. Windblade. Go, go, Baron Bunny. Whoa. What's the hurry? Freeze. Ok. Comme ça, ça c'est fait. Y a plus rien ici. Et bah c'est parti. Looks like this is the front gate to Storm Terror's lair. The gate is enormous compared to us. But still, Paimon wonders how Dvalin gets in there with a body that huge. He doesn't walk in. He flies in. Oh. You do have a point. It's stuck. It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? Effectivement, il y a un trou béant. I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Let's make a detour then. Heading up. Mais je crois qu'il se fout de sa gueule en fait. Il répète à chaque fois ce que dit Paimon. Hein? Je pense qu'il se venge parce qu'elle lui a dit qu'il était pas vraiment inutile. Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins? Either way, if we do run into one, we will let the victorious Master Diluc. C'est pas le seul chemin qu'on a. Do not underestimate them just because I have beaten one of them before. I'm not boasting. I'm simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Correct. That's why I tagged along after all. Well, that and also for your safety. Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. Zero effort to search for the dragon tears and drink in the tavern all day. J'essaie d'écouter en même temps, mais c'est pas facile. What part of you is remotely diligent? S'il y a des trucs qui traînent, je repasserai ici. Si je peux. Je pense que oui. Ah, un petit coffre. Je vais prendre le petit coffre avant. Oh, bah oui, bien sûr. Dodge this. Oh, so sorry. Ah, freeze. Voilà, comme ça, le petit coffre, c'est pris. Et la bave aussi. Allez, on brûle toutes les racines pour pouvoir passer. Et au moins, on se blessera pas. Parce que c'est important. Il faut savoir se protéger.
Voilà. Au moins, ce qui est sur le passage, il y est plus. Voilà. Lui, c'est facile. Voilà. Ah, merde. Il est pas mort. Oh, et bah bien sûr. Il fallait que je tape dans ce machin-là. Crève, crève, crève. Il est parti. Ok. Ah, maintenant j'ai des expériences de personnages. Ou alors j'avais pas fait attention qu'il y en avait. Non, moi je crois qu'il est mort en fait. Allez, c'est parti. Oh merde, j'avais pas vu qu'il y en avait un autre là. Mais il est fou! Hop là, avec dispersion du feu. Ça, ça fait des dégâts. J'ai appris à faire ça tout à l'heure. À utiliser un autre élément pour amplifier le mien. Tac, il y a quand même des trucs à détruire ici. On va quand même essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose. Ah bah lui il est vivant. Ah. Bon bah voilà. Ça m'a explosé la gueule mais c'est pas grave. Ah, un petit coffre. Is this an answer from this world? On récupère tout, on récupère tout. GG lu. Lu. Ça me fait redescendre, c'est pas par là, c'est pas possible. Putain, ça va être par là. Oh. Ah bah non, je me suis trompée, c'est pas... Oh non, mais n'importe quoi, moi. C'est par là-bas. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis partie de l'autre sens. Oh, ça arrive, les erreurs. On active la statue des sept. Oui. J'ai débloqué une partie de map. Trop bien. Elle est où ma souris? Ah ça y est, je la vois. On reste à côté pour le... Ah non, la santé elle est déjà revenue. On va pas falloir que je me loupe avec le vent là. Bon, y'avait rien dans les caisses. Excellent, oui. Hop là. Bon, allez, au combat. Ah non? Ok. Je pensais que ça allait lancer un combat. Wow, elle est tombée. Oh, la but. Bon, ça va, je pense que ça devait pas être une grosse épée, mais. Elle est tombée dans le vide. Oula, c'est quoi ce monstre? Est-ce... C'est une statue. D'accord. Il dit rien. Oui, c'est un truc qui va s'activer et qu'il va falloir que je combatte, ça va être génial. Je vais activer ça aussi. Oh non, ça a lancé la cinématique. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city.
D'Valin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act. Okay. If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. Okay. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. Alors, où elle est cette petite pièce? Ah oui, déjà ça, j'active. C'est pas mal. Allez, on récupère ça. Et on active. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Faut que je retourne là-bas. Looks like we're right. There are three more halos circling the tower. Which means there are three more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. Ah, d'accord. The rest must be scattered within the ruins around here. Let's go find them. Why did D'Valin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Doesn't he get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. Ok. Ah, je peux parler à chacun d'eux? Ouais, je vois pas l'intérêt. Ah, un coffre. A reward on the road. Pourquoi il y a des petits traits là qui poussent au-dessus des plateformes? Je sais même pas si je peux. Mais non, je peux pas aller jusqu'à là-bas, je suis. Je vais mourir dans les airs. Je suis folle. Ah, ça y va, ça y va. Je suis à la moitié déjà. Par contre, je me demande ce que c'est là, le petit point lumineux. Ah, et les petits courants d'air. Ah, il faut que j'apprenne à les utiliser aussi. Voilà. Ah bah c'est ça. Ok. Je récupère mes petits trucs là. Je crois que j'en ai que trois. Le troisième il est là-bas. Et je vais aller activer le checkpoint parce que si je meurs, on sait jamais. Parce que des fois, vu que je fais n'importe quoi, je meurs facilement. Je crois qu'elle va me tuer si je rentre dedans. Start looking for the next puzzle. Je vais pas tenter. Ah! Elle me tire! Voyons qu'elle en a de la puissance, hein. Je suis censé aller où? Ah oui, d'accord. On recommence.
un anémoculus quelque part là. Ah, je suis passée ici tout à l'heure. Ah, il y en a un qui s'est activé, il est là-bas. Donc, il y en a deux là-bas et le dernier, je le vois pas. Ok, je le vois pas le dernier. Pourquoi il y en a que deux? Enfin, on va voir. Je vais y aller, on sait jamais. Ça se trouve, l'autre, je le vois juste pas. Eh, elle vole tout droit. Ah bah non, elle redescend. Elle volait tout droit à la base. Ah, j'ai mon checkpoint aussi. Et des ennemis sur place. Faut pas changer. Je vais déjà aller les tuer, comme ça va être pas mal. Hop là ! Ça c'est beau. Et voilà, tornade de flammes. Pardon, je suis un petit peu en train de crier. Et il en reste un qui est quelque part. Oh mince, c'est pas ça que je voulais faire. On recommence. J'ai mon petit truc là qui tourne autour de moi, donc ça c'est pas mal. Où est le deuxième déjà? Où est-il? Ah oui, peut-être que la molette va pouvoir me dire quelque chose. Ah, là-bas. Je l'avais même pas vu. Pourtant, il est juste à côté, hein. Ah, il faut que j'y aille par au-dessus. Ok, on recommence. On grimpe. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Oh ! Raté. Peut-être que j'aille plus haut. Pourtant ça doit être ça. C'est bien de là où je suis. Ah c'est bon, je suis dessus. Donc là j'en ai deux, je vois pas de troisième en tout cas. Donc, ça se trouve il y en a que deux. C'est possible. Ah non, il y en a trois. Il en manque un. C'est bizarre ça, il y a une roche à casser. Ça se trouve, il est derrière. Ah non, juste un coffre. I'll keep this close. Hmm.
Alors ça, c'est étrange. Pourquoi je ne le vois pas? Regardons au-dessus. Non, pas de trait jaune. On refait la molette. Putain, c'est où? C'est dingue, ça. J'ai ça, là. Je peux activer. Ah, mais ça se trouve, c'est un truc comme ça qu'il faut que j'active. C'est eux qui vont me le délivrer. Voyons voir. Alors, est-ce qu'il est tout seul? Oh, c'est juste ça. Juste ça pour un coffre. Étrange. On va aller voir par là. Hein. Là, il y a un méchant. Ah! Ça y est, je l'ai. Je le vois. Ah bon sang, il était loin lui. Hein. Ah ah. Oh la vache. Et hop là, un petit feu. Let's spark things up a little. Hey, come a little closer. Ah, il a remis son casque. Fait chier. Allez, c'est parti. On va aller déposer le troisième. Le petit scintillement, il est un peu chiant. Hein. Cinématique. Oh, ok, troisième niveau activé. It seems two of the halos have become solid ground. One more and the seals at the top of the tower will be broken. Bon, ça va, c'est pas trop loin. Je vois déjà 1, 2,
C'est bon, j'ai les trois. Je vais aller activer mon téléporteur. Oh ça va, ils sont accessibles là, ils sont tous les trois au sol. Tant mieux, ça me va hein. La simplicité. Ah bah oui. Ah enfoiré. Freeze! Don't get frostbite! Go, go, Barret Buddy! Prepare to be blown away! Ah, ça l'a pas emporté l'enfoiré. Ouch! Je peux pas reprendre mon... Ah. Dodge this. Ah bah du coup, voilà. On l'a une de morte. Ah bah oui, mais si je reste dans le cercle, en fait, je suis en train de mourir. Ah, foiré. Come a little closer. You're in. Ah merde. Cool it. Yo là, celui qui m'emmerde. Come a little closer. You're in for a little shock. Ah, mais j'ai du temps. Oh là là, mais non. Get him. Oh, c'est foutu. Ah, oh, fais chier, je savais pas. Pourtant, j'ai pas fait F pour l'activer, ce machin. Déposer ça. Ah, je peux pas les déposer tant que j'ai pas activé. Oh purée, non, ça va me saouler. Bon, faut que j'aille à la statue des 7 pour récupérer ma vie parce que là, compliqué. Bon, ça, j'ai toujours les trois avec moi. Enfin, les trois petits triangles là. Je vais regarder si je peux au moins. Et... Ah bah là, elle est niveau 40. Ouais, niveau 35. Attends, je fais retour. Elle. Ah ouais, elle est niveau 20, mais je peux pas l'augmenter. Aïe aïe aïe. Elle est comment? Je peux pas l'élever non plus. Ah, compliqué tout ça. Ah, c'est dommage. Non, lui, je vais le mettre déjà à son maximum. Compliqué, compliqué. Ah, elle est niveau que 39. Ah, joue. Trop seront perdus. Le personnage ne peut pas obtenir... Attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah bah tant pis, voilà. Hop, comme ça, elle est à son maximum. Elle va déjà aller au maximum. Bon. Et bah... à l'attaque, hein. Oh.
Pourquoi je peux pas passer par là? Comment je fais pour partir? Ah, j'ai cru qu'elle était morte. Non, c'est bon. Bet you can't keep up with me. Ah, il y a un animal juste au-dessus de lui. Hein? Non, je les ai perdus. Oh, tant pis. Je viens d'activer un ennemi. C'est un ennemi? C'est un ennemi. Dodge this! Ha! This moment will be frozen in time. Windblade! Il va s'arrêter de tourner là. Freeze. Ah, mais ça marche pas ce machin. Ah si, quand même. Windblade. Oh la vache. Oh, j'ai plus de vie. Ah mais purée. C'est quoi ce machin? Je vais mourir avec celle-là. C'est moi qui vise. Ouf, je suis chaud. Eh non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Oh purée. You got me. Et voilà, bon, elle est morte. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi à monter là, n'importe quoi. Cool it. Je vais mourir. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Ah, vache. Je peux y arriver. Bon, il fallait que tous mes persos à 40, parce que là...
Dodge this! Oh! Ah! 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 Oh, so sorry. You're in for a little shock. Try not to enjoy this too much. Ça va marcher, ça va marcher. You're in for a little shock. Cool it. Oh la vache. Freeze. Oh mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Come a little closer. You're in for a little shock. What's the hurry? Cool it. Push your muck. Ah, vache. Dodge this. Je l'ai tué. Ah. J'ai réussi. Ah oh bah génial. Mais ça m'a rien donné hein. Parce que du coup je sais pas comment je fais pour descendre. Et il y a un trésor là-bas. Merci. Du coup je suis quand même bloqué par le courant vert là. C'est chiant. Je sais pas par... C'est chiant. Je vais retourner à l'animo parce que... De toute façon, faut que je restaure mes persos. Ok, donc là j'ai tout récupéré. Donc comment est-ce que je fais pour descendre? Déjà ça tout à l'heure je l'ai pas fait. Oh c'était ça. Et comme ça là je peux descendre. C'est ça. Ah non. Purée. I'm not done. Je suis heureux au point que j'étais. Aïe aïe aïe. Bon, je vais au moins récupérer l'animo qui est ici parce que. Comment je fais pour lâcher ? Oh là 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 là! Comment je fais pour récupérer ce machin là? J'ai pas réussi à le lâcher. Comment je fais? Pourquoi j'active pas les ailes là? Bon, tant pis. Du coup j'en ai perdu un. On recommence. Je vais y arriver. Ah mais je suis trop bête en fait. J'ai activé mes téléporteurs. Juste que j'aille au téléporteur. Ah des fois franchement, faut vraiment que je réfléchisse. Hein. Bon, on va y arriver ou pas? Par elle. Ah bah bien sûr. I'll race you there. Get it. Mais y'en a combien des machins comme ça là? Freeze. Voilà, en plein de mort. Et où l'autre? Voilà. Cool. Il faut que j'arrive à le. Come a little closer. Get here. Hey. Freeze. Windblade.
this! You're in for a little shock. Freeze! No one escapes my sight! Allez! Non! Ok, j'ai réussi. Il a failli remettre son bouclier. J'ai chaud. Ok, bon. On récupère les petits triangles. Les sceaux de l'antre. Petit dernier là-bas. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu de vie en fait. Y'a que Ember qui a perdu de la vie. Et niveau 21 d'aventure. Ouais, sacré run ce soir. Et du combat en tout cas. Et c'est pas facile. It's done. Nouvelle quête. Paimon thinks we should venture onward from here. Retourner au sommet de la tour. Il est où l'anémo? Je vois un anémo sur ma carte. Juste ici. Ah, il est tout en haut. Bon, c'est pas grave. Le courant d'air, j'ai vu un courant d'air tout à l'heure. Il est où? Je le vois plus. Bon, on va essayer. On va essayer en allant directement à la statue des 7. Ça va me rapprocher, ça c'est sûr. Ah, il faut que j'aille encore 70 mètres au-dessus. Ah non, je l'active pas celui-là. Ah, il s'est pas activé. Ok, ça me va. Déjà que j'ai galéré avec l'autre. Ok, je suis au bon niveau. I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master Diluc accompanied us to the very end. Despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. As for Master Jean, responsibility perhaps. What about the tone-deaf bard? It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king. And its citizens enjoy the most freedom amongst the seven nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time. I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Je capte pas là. Faut que j'aille dans le courant d'air. C'est un donjon. Le dragon au cœur de la tempête. Après une longue et éprouvante chasse, vous êtes enfin sur le point d'affronter la furie de Dévalin.
soumis par le mage de l'abîme. Divaline. De toute façon, c'est mes meilleurs persos, donc... Commencez. Look, there are two shiny spots on Devalin's back. They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Devalin's mind. To save Devalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. Pauvre dragon. Devalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Je peux pas bouger moi. Ah si. Je savais même pas que je pouvais bouger. Wow. Vache, c'est pas facile hein. Bon ça, ça fait pas trop de dégâts mais I'll extract and condense the pure animal from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Ça lui fait rien. Ah la vache. Ah si ça y est. Condensed animal orbs to create acceleration curves. C'était pas. I know it's hard to tell with the barrage of bullets, but this is the only way. Ok, je me rapproche. Je suis assez proche, non? Même pas? Et jusque là. Voilà. Je suis assez proche. Ah non, toujours pas. Va vite, hein. Mais ça recommence. Ouais. Pas facile, hein. Presque. Vraiment, je me rapproche. Franchement, il est vraiment beau le jeu. Même là, franchement, je tombe amoureux du jeu. Je l'aime trop le dragon. Je le trouve trop beau. Ok, c'est parti. Ok. Il est retourné dans son antre.
Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Blood clot on his neck. Here we go. Yeah. Yeah. Il reste longtemps au sol, le machin. Yeah. Bah, yeah. Qu'est-ce qu'il fait là, mon perso? Celestinum Finale Termini. This dragon has strange tastes when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Ouf, la vache. Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. For the tainted blood clot on his neck. Yeah. 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 Vite, vite, vite. Oh, il se relève. Oui. Non, je l'ai tué. J'aime pas ça. This place is gonna collapse. Wow, le trou noir, hein. Ah non, il est pas mort. Ah mais il les a tous sauvés. Bah finalement, il est gentil. It's been a while since we flew like this together. How Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. C'est quoi ça? Is this the power of the animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt. And let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere, and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Ah, je le savais que c'était un gentil en vrai, le dragon. Un jour plus tard. Oula, you guys are back. The honorary knight returns triumphant. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do.
In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Ah ouais, d'accord. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the hilly trolls were moving closer to the city a while back. Oh, yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Salut, Spé. Comment vas-tu? Me too. But I have a strange feeling that we're not out of the woods yet. Hilly churls aren't usually capable of coordinating like this. Chaudement. Bah oui, dans le sud, effectivement. Ça doit être compliqué. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. Et encore, ça va, la canicule est passée. Heureusement. They've taken over the hilly churls. Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. Ah, y a toujours la canicule dans le sud. Ah, ça fait une semaine, eh. Parce que j'étais à Bordeaux la semaine dernière et ouais, je suis tombée en plein dans la canicule, il faisait 40 degrés. Vous êtes toujours à 40. Oh, I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the storm terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time! Awesome! Let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. On passe sur 28-29 la nuit. C'est trop chaud pour se reposer. Bah ouais, 28-29, c'est clair. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Ok, bon. Eh ben ça c'est fait. Ouais, on est toujours sur le même thème. Bon, faut que j'aille dans mon stat. De toute façon, je peux me téléporter, non? Je peux toujours me téléporter, je pense. Oui. Ouais, de toute façon, c'est pas loin. C'est juste au début, là, de la grille. Bah ouais, 23h déjà. Ah, encore, le plus bas de température, je pense que ça arrive à 3-4h du mat, du coup. À la galère. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild! Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. What? What? This storm terror threat is resolved? I miss the acting Clanmaster Speed? Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. C'est tout? Ok. Spé le vampire. Ouais. Effectivement. Long live the heroes. Thank you. It's fine. Many trade routes have closed due to ouais, the storm. Bon, c'est juste les gratitudes en fait finalement. We can cope for now ouais, without passer tout ça parce que entendre tous les habitants dire merci. Ah, quelle extraordinaire intervention. Vous avez réussi. So storm terror's true idea. Every cloud has on a compris. Hein. As long as we have Dvalin. Hop là. Allez, au suivant. Ah, cinématique. Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship.
It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? Yeah. To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited. And then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churl's cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of... let's call it fraternizing. Fraternizing. Scélérat fraternizing. Je reprends bientôt les lives. Fait sa pub sur des... Moi, ça me va. Hein. Means, franchement, j'ai hâte de revoir des dessins. Rather interesting intel. Parce que ça fait un moment et j'aime bien regarder les gens dessiner. Puis t'as un bon style, j'aime bien. The situation is this: the Abyss Order. They are. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn D'Valin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. Ah, je vais plus rentrer dans mes pompes après. Bah après, il faut le dire, hein. Ouais, il y a des styles différents, etc. Mais toi, au moins, t'as fait ton propre style et ça c'est top. Mais ouais, j'aime bien. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call him the Prince. Faut savoir prendre les compliments, hein. Sans prendre la grosse tête, bien sûr. Tant que tu Now, prends des chevilles, I'm ça va. Sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. One minute I see Kaya, the next he's slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. Je sais pas, j'ai répondu au hasard. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On continue l'acte 3 pour ceux qui découvrent ou qui ont déjà joué à Genshin. Hi Sarah. One sticky honey roast, please. Et voilà. Asseyez-vous à la même table. Ouais, ça se fait où là? Ah, hop. So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the Seven Nations until we find clues about her brother. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Wherever you may go and wherever the wind may blow. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. Mm-hmm. Un bon gros morceau de viande qu'ils avaient là dans l'assiette. Mmm, that was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral.
It's something to do with the holy lyre de Himmel. You'd better head there now. Dire. Allez, c'est reparti au travail. Hop, c'est bon, elle s'est levée toute seule. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais... À mon avis, ça va être encore des gratitudes, parce que j'ai aidé pour Storm Terror. Moi, il est pas mort le dragon. Je suis contente. C'est long d'aller jusqu'en haut. Vont-ils me dire? Ah, c'est qui déjà elle? Noël, non? This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the holy lyre de Himmel. S'appelle Barbara. May the animal archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting grand master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. C'est assez rigolo parce qu'en fait, on entend un peu les échos comme dans une cathédrale. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the holy lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The seneschal has been pressing me for a while now. We did bring it with us. It's just... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. Ok. Ouais, elle est cassée. The holy lyre! Oh, Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Aïe, aïe, aïe. Give it here. Il va la réparer. Voilà, je le savais. Oh, God, holy liar, but how? Let Paimon see. No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the liar again. We really should get going. That trick I used to repair the holy lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? We're all fine. Hey, don't go! Hola. C'était quoi ce machin? At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Signor. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin! Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirkyware looks out of place. Did you steal it from your master's face? Shut
should have held your tongue. Elle l'a tué. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Vinti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Bah dis donc. Honorary Knight, you're awake. Salut Kivar. Bonsoir, bonsoir. Ah, les vacances, c'est pas mal, hein. Dans le sud? Peut-être? En général, les gens, ils vont toujours dans le sud. I wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. Au-dessus de Lyon? Côté Dijon ou Lyon... Juste au-dessus. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. Ah, t'as raison, il faut profiter. Prendre des vacances, c'est pas mal. Ouais, juste au-dessus, ok. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal. And then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean... I mean... Master Jean... said to let him leave. How strange. Pour Kivar, c'est le Nord. Ah ouais, carrément. Je sais pas de quel coin il est, mais... Ouais, au-dessus de Lyon, juste au-dessus de Lyon, c'est pas le Nord. Moi, je suis dans le Nord. Parce que là, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas dépassé les 20 degrés. C'est pas possible. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Ah, d'accord. De base, t'es... D'accord, t'es de la région de Lyon, quoi. Ouais, donc t'as pas été bien loin pour tes vacances. Bon, des fois, il faut pas aller si loin, hein. Donc non, je suis pas dans le nord, mais pas dans le sud. C'est un point de vue. À l'équateur de ma France. Je pense que c'est bien résumé ça, l'équateur de la France. Ah mais non, attends, je vais utiliser les téléporteurs parce que là, j'avais même pas vu que c'était si loin. Hop. J'allais mettre 10 plombes pour arriver. Moi. Hop, on redonne de la vie à mes petits persos. Ça, ça va être pas mal. Le grand arbre. Il fait déjà trop chaud vers Lyon, donc le sud, moi je préfère l'hiver. Vive la neige et le ski. C'est vrai, c'est bien la neige et le ski. Bon, il y en a de moins en moins par contre. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? So you noticed. Ah, le gnosis, alors je pense que c'est ce qui lui permet de chanter. Voyons voir la réponse. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret.
En soi, Lyon, c'est pire que le sud, il n'y a pas de vent là-bas. Ouais, c'est vrai. Ah, la grosse ville et tout. Hein. Après, oui, dans Lyon même, c'est comme à Paris, quoi. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. Mm-hmm. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We Alagenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Ah, il est en train de dire que c'est un dieu primordial, d'accord. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. D'accord, ok. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. Les 11. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Is it? Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from the Zepelyarny Palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. Okay. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I put this? Donc en fait, ils sont 11 dieux, et elle a osé voler le gnosis d'un autre dieu, finalement. 500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Merci Demetal pour ton follow. C'est gentil. J'espère que ça te plaît en tout cas. Et si tu t'es abonné, je pense que c'est que t'aimes bien. Je sais pas si tu joues à Genshin, mais moi en tout cas, je commence l'histoire. Bon, acte 3 bien sûr, mais c'est la première fois que j'y joue en tout cas. J'ai pas refait le jeu quoi. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone. In any case, this year's rite of dissension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Yep. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Teyvat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. Eva? If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Ouais. Je pense qu'on sait tout ce qu'il faut. Let's be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. Point de téléportation débloqué.
pouvez augmenter votre niveau d'aventure par les moyens suivants. Oui, bon, ça je sais. L'expérience d'aventure que vous obtiendrez. Ouais, d'accord. Oh, j'ai fini la quête. L'acte 3 est fini. Et je viens de redébloquer un truc de l'acte 1. Ok, trop bien. Strange book. It does have a really nice cover, though. Oh, Paimon's really curious. Let's read it and see what it's about. Tout ce que j'obtiens là, c'est quoi tout ça? La vache. Merci ma type. Ouais, c'est vrai que j'ai géré. Là, j'ai pas fait de pas de rage quit. Non, c'est pas mon truc de quitter parce que j'arrive pas à... Donc là du coup j'ai débloqué l'événement, donc ça c'est top et il faudra plus que j'accède à la quête. Ça on le fera du coup demain soir. Ça je verrai ce que c'est. Ta-da! Barbara's here. Ah, cliquez pour récupérer. Je peux récupérer Barbara. I will not disappoint you. Ta-da! Voilà, nouveau perso. Barbara's here. Leave the healing. Ta-da! Barbara's here. Leave the healing to me. Et celle-là aussi, je peux la faire et elle se finit dans 6h25. Donc je pourrais pas la réaliser. De toute façon, il y a quoi à gagner? Ouais, pas grand-chose. C'est quoi ça? Matériaux d'aptitude de personnage. Plus c'est à Fontaine, là. Et je l'ai pas débloqué, Fontaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, tout à l'heure aussi, avant de stream, j'avais débloqué le pass de bataille, donc voilà. J'ai pas encore compris à quoi ça servait. Bon, déjà, je récupère des points. Alors ça, c'est quoi? De l'expérience de pass de bataille, ok. Après, qu'est-ce que ça m'apporte? Alors là, aucune idée. Y a rien d'autre. Ah, même les événements peuvent rapporter aussi des points de bataille. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça c'est pas intéressant. Hop, on a les petits succès à récupérer. On récupère toutes les récompenses. Hein. Faut bien. C'est comme ça, ça nous fait augmenter l'expérience d'aventure et ça c'est plutôt pas mal. Il y en a besoin. C'est quoi ça? Ok. Après avoir atteint le niveau 40, vous pouvez faire un défi rapide dans les donjons. Ouais, ça marche. Ah, il y a un nombre de tentatives, ok. Ah, il y a plusieurs défis rapides. D'accord. On regardera ça une autre fois. Ah, j'ai obtenu un petit cadeau. Voilà. Ça, c'est bon. Ici. Elle, qu'est-ce que je peux faire? Constellation. Ah, je peux débloquer une de ses aptitudes. Augmente la recharge d'énergie de 16%. C'est pas mal, ça. Nickel. Comment je fais pour quitter ça? Ah voilà. Et elle, du coup, je l'ai obtenue, donc voilà. Barbara. I wonder when I'll be... Elle, j'aimerais bien l'augmenter au niveau 40, mais il me manque un élément. Tac. Donc ça. Oh, bah j'ai plein de quêtes là. Ouais, j'avais presque rien tout à l'heure quand j'ai commencé, mais là, j'aurais de quoi m'occuper. Après, les succès. Tac, merveille du monde. On récupère tout ça. Les petits primogèmes. Je crois que c'est tout. Ça a l'air. Ok, bah, je pense que j'ai tout récupéré. Hein. Ah, et ça. Petit point d'interrogation. Ah oui, c'est les nouvelles choses. Réaction élémentaire. Ah, j'ai découvert une autre réaction élémentaire. Donc, c'est le poison, j'imagine.
dans la plante, je sais pas. Dendro. C'est ce qui est lié à la plante, je pense. Et puis, bah, l'électricité. La tempête. Eh ben, nickel. Oups. Hop. Voilà. Ah bah, du coup, il me l'a pas compté comme lui. Voilà. Pourquoi j'ai un truc à 1000? Ah, il y a des gens qui essayent de m'ajouter. Lune. Je connais pas Lune. Et ben voilà. Je pense qu'on est pas mal. Après, au niveau des invocations. J'allais dire incarnation, mais pas du tout. les invocations. Il y a celle-là. Je pense qu'il reste... Ouais, 20 jours. C'est une 5 étoiles, celle-là. Et sinon, il y a celle-là. Elle est quoi comme un... Orchidée de la vallée. Yelan. Ça, je sais pas, c'est quoi. C'est eau, peut-être. Et elle, c'est la santé. Je vais essayer des petites incarnations. Comment je fais? Ah, boutique. Invocation. Ah, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi je dis incarnation, n'importe quoi. Pierre de la fatalité. On va utiliser les primogèmes, hein, parce que vu la dose que j'ai là, 4000 primogèmes. Bon, on va s'en faire 20. Ok. Et faire 10 vœux. On va essayer d'en avoir une. Nice to meet you. My name is Xiangling. Ah, I'm a chef from Liyue. My favorite place is the chicken. I mean, the kitchen. Oh, I practice so hard, but I still encore un élément feu, mais j'en ai déjà myself. Un, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir la nana de la santé, là. Emily. Mais bon, ça fait un perso de plus. Bon, pourquoi pas. Je gagne des astrions en même temps. Ouais, j'ai pas d'armes extra. Oh, c'est que du commun. Hein. Ah! Encore? Pourquoi je l'ai deux fois? Je l'ai obtenu deux fois, la nana. Ah oui, je peux augmenter le perso... Non, c'est... c'est pour sa constellation. Ok, allez. Tac. Mais je vais essayer celle-là maintenant. Faire 10 vœux. Alors, ce qu'on peut avoir. Ouais, pour le moment, que du commun. Ah! You smell. C'est quoi ça? Nice. Razor. Let's hunt. Et il est tempête. C'est dommage parce que là j'ai pas des éléments que j'ai. Parce qu'il me manque encore des éléments dans mes persos. J'ai pas la santé par exemple, j'ai pas le dendro. Ouais, c'est ça le dendro. Et là je récupère des éléments que j'ai déjà, c'est dommage. Razor, tu. Ah, t'aimes bien Razor? Ah, que du commun, des 3 étoiles. Ouais, lui. Du coup, je le connais pas. Avoir son super pouvoir, son E et son A. Bon, est-ce que je me ferais pas une autre petite invocation? C'est quoi celle-là? Ah oui, mais ça c'est une... J'ai son épée, il était fort à l'époque. À l'époque. Parce que du coup, il est plus très fort. Par rapport à l'avancement d'aventure, j'imagine. On va réessayer. Je vais me reprendre des... De toute façon, j'en récupérerai plus tard. Voilà. Hmm.
Est-ce que je peux acheter des trucs, en fait? Parce que là, je vois qu'en fait, on peut acheter un perso. Bon, j'en ai que 4, mais je savais pas qu'on pouvait acheter des persos. Ah, il n'y a que avec les astéries. Ouais, du coup, les astéries, je les utiliserai pas. Juste pour eux. Mais pas pour les invocations. Donc du coup, j'ai eu elle 2 fois. Lui, je l'ai aussi. Elle, je l'ai pas encore. Et elle non plus. Mais j'aimerais bien avoir Emily, c'est dommage. Ah, c'est le même perso, là. Oh, le foutage de gueule. Allez, c'est parti. Ah, un 4 étoiles, là. Ouais, du commun. Et à nouveau, Razor. Bon, au moins je pourrais lui prendre une constellation. Bon, je vais m'arrêter là, hein. Au niveau des invocations. Je vais augmenter du coup les deux que je viens d'avoir, parce que j'ai des constellations possibles. Hop, nature du loup. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Inflige 10% de dégâts supplémentaires pendant 8 secondes. Ok. Et elle, donc sa constellation, c'est la res. C'est quoi la res ? Pyro des ennemis touchés. La résurrection pyro ? Diminue de 15% pendant 6 secondes. Je pense que c'est résurrection. La res. Bon, enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, ça nous avantage quoi qu'il arrive. Et puis bah voilà. Et bah je vais m'arrêter là. Hein. On aura fait 2 heures de live. Oh, c'était pas mal, hein. J'ai bien aimé l'acte 3 là. La fin et tout. C'était sympa. En tout cas, j'espère que ça vous a plu également. Et puis bah on se retrouve demain soir tranquillement pour faire le fameux événement qui s'appelle. Attendez, je reprends le nom de l'événement et c'est pas ça. Ça doit être là non plus. Ah, c'est où déjà? Je vais m'y retrouver. Un jour je comprendrai. Ah, c'est ça. L'événement Piaf Tatraque. Pour demain soir, voilà. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée également. Et à demain. Salut !